Salut YouTube, envie de crever. J'avais oublié qu'on s'était enregistré dans les catacombes la dernière fois, parce que nous il s'est écoulé quelques jours depuis la dernière VOD et du coup bah on est dans les catacombes de ces morts et dernière fois qu'on a fait des catacombes, il y avait le, rappelez-vous, le chat dégueulasse là, l'atroce, l'horrible comme on l'appelle dans le milieu avec toi. Ah, j'ai envie de me barrer en courant. Bon alors, ah, direct. Une clé lame de pierre. J'ai plus ça, moi, maintenant. J'en ai plus. C'est fini. Finito. C'est finito, les clés lames de pierre. C'est finito. C'est pas dans objet rare, je crois. Objet clé, plutôt, peut-être, non. Ouais, je sais plus. Et à ça, c'est pareil. Là, c'est quoi, ces trucs, là? Attends. Parce que vu que ça concerne les potions, ça doit certainement se gérer directement au feu de grâce, au site de grâce. J'ai vu le rediff de l'autre fois. J'ai vu la rêve de Prosper le Purineur, bien sûr. Prosper le Purineur. Fiole sacrée. Alors... Ajouter une dose, améliorer, répartir les doses. Bah là, non, parce que normalement j'ai pas assez de graines dorées. Améliorer les fioles sacrées, je crois pas avoir de larmes de vie, voilà. Et répartir les doses, c'est juste pour changer la répartition. C'est juste pour former la répartition. Ouais, mais alors comment je fais ma tambouille, moi? Y a un hôtel d'alchimie, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et Anubis, coucou? Ça roule? Parce que ça a l'air fort là, les petits... Oh, ah oui non. Ça a l'air fort, les petits boosts dans une fiole restaure progressivement les PV pour une durée limitée. Ça a l'air bien, ça. Améliore temporairement l'endurance. Ouais, admettons. Renforce les attaques chargées. Bon, admettons. Réduit considérablement les dégâts subis. Ça a l'air trop bien, ça. Je bois un coup, je restaure mes HP et en contrepartie, je prends moins de tarte dans la gueule. J'apprécierais. Ah oui, j'ai mon sort de feu complètement pété. Oh, je me rappelle qu'on avait battu le gardien d'un arbre mineur, là, ou je sais pas quoi, là, un gardien mineur de l'arbre, ou je sais pas quoi. Oh la vache, il avait pas du tout aimé la sauce qu'il a mangée. Hein. Moi, par contre, j'ai aimé lui mettre. Hein. Ouais. Non, bah, visiblement, des clés lames de pierre, j'en ai plus que... Bah, en même temps, il me suffit peut-être de m'approcher juste du bordel, je le saurais. Allez, let's go. Bon, alors, y'a quoi comme affreux là-dedans? Est-ce que j'ai une clé? Non, c'est bon, c'est juste un crâne. Est-ce que j'en ai? Ah. Apparemment, il est parti chercher dans son cul, il a rien trouvé. Terrible. Y'a un loot. Salut, bro. Toi aussi, tu te relèves? Non? D'accord. Bah, salut. Bon. Donc, on va avoir des sacs d'os. Bon, bah, c'est bon, j'ai compris le message de la clé lame de pierre de Zimour. Bon, j'en entends un marché. J'avance à pas feutrer. L'effigie de Marika me faisait face. Une énorme porte. Et un connard décharné. Let's go. Passage secret, ça? Pas du tout. Examinaire. Son recueil d'invocation est à présent opérationnel. Ça, tu sens que ça va être la porte du boss de fin, ça? Regarde, ouvrir, dans le cul, voilà. Alors, trouver un mécanisme pour ouvrir la porte, et ça va être la porte du boss de fin. Let's go. Un spooky scary skeleton. Oh la vache. Spooky scary skeleton. Ah! D'accord. Bonjour! Pardon? Pourquoi vous torquez à ce point, vous? Il s'est éclaté contre le mur, ce con. Mais t'es vraiment idiot. Tiens, pas la peine. Il s'est éclaté contre le mur. Terrible. Excellent. Raté, c'est Elden Ring. Ouais. Chipotez pas. Je joue à mon deuxième Souls ever. Tout de même. C'est beau. Et ça, là, on peut pas looter, non? Blah. Le son du jeu a l'air très fort. Il va me permettre de baisser. Voilà. Bref, très bonne découverte à toi. Oh ouais. On en est où, là? On a fait quoi? Peut-être une... dizaine, quinzaine d'heures de jeu, peut-être? À la louche, je sais pas où on en est. Y'a encore les petits cons là, les petits trucs là. Ah. Ok.
Oh là là. Oh, je reconnais, ça cheat. Oh, je reconnais, ça a perdu ses balls en crevant, ça. Olé. Voilà. Olé. Wow. Olé, recule. Bordel, bordel. Eh, ils ont l'air moins nuls qu'ils en ont l'air. Ils sont moins nuls qu'ils en ont l'air quand même. Non, l'autre. Voilà. Aïe. Voilà. Voilà, on va tempo. Voilà. Non mais ça suffit. Pas marrant les squelettes quand même. Pas drôle hein. Ok. C'est quoi ça? Materials. Muguet fantomatique. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je vais devenir parano, on va devoir sauter dans tous les murs. Spooky scary skeleton. Ça sent le fiac décharné par ici, mais le fiac quand même. Utilise ton chou une peau. Oh, si j'en avais un. Oh, ça. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Montre-moi bien un petit squelette planqué dans les ornières là. Ouais. Oh. Oh, il y a encore les lance-flammes. Oh. Merde. Oh, mais ramasse-le. Idiot bête. Ramasse-le. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va marcher à la première. La deuxième, c'est bon. Ah bonjour. 1, 2, 3. T'as un de tes bros avec toi? Non. Bah... mauvais choix. Meurs. Je pense qu'il me faudrait plus une arme contondante contre eux, là. Il est commun d'admettre que des armes contondantes contre les squelettes, ça marche. Logique de MMO. Oh les bâtards. Les petits bâtards. Oh, ce perfect timing. Oh merde. Bouclier rond gravé. Fragment d'os humain. Et d'ailleurs, j'ai remercié papy pour les 1000 bits tout à l'heure, je crois pas. Hein. Merci papy. Merci, merci. Tu as une arme commune de masse. Ouais, voilà, ouais, bah contondant quoi. Une batte de baseball, ça marche aussi. Non. Quand t'es mort, t'es prié de le rester. Allez, 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 allez. À la niche, ça dégage. Non mais oh. Ah. Ah oh. Interflora. Je vois pas pourquoi j'ai été surpris alors qu'il peut pas me toucher littéralement. Mais c'est pas vrai. Vise-le. Bute-le. Voilà. Putain, faut que j'aille le chercher. Mais non. Mais oui. Prendre objet. Mais oui. Champignon. Champignon sur un squelette, quoi. Si le champignon continue d'être un indice de fraîcheur, celui-là il doit pas être terrible. Alors. T'as la torche aussi comme arme. Oui, c'est vrai que c'est une arme. Il est vrai. It smell fiac. Good smell of the fiac. Bon allez, c'est bon. C'est bon, on arrête de faire des enfants, là on se réveille. Je sais que vous êtes là. Étalon du cul te dit bonjour. Bonjour. Ah là là, terrible, ils font des enfants. Ils font des enfants. Regarde là, lui là. Voilà. Hein. Bien sûr. Bah oui. C'est de salle où y'a rien. Ah bonjour. Oh. Oh oh. C'est bon, j'accepte cette flèche.
Enfin, j'acceptais pas trop celle-là, mais... Bonk. Ah, ça dégage. À moi ? Merci. Le musée mortifère. C'est qu'il y a un autre corridor. D'accord. Et donc ça, c'est non. Est-ce qu'éventuellement ça... C'est bon. Salut Ice, ça roule. C'est Jeff LOL, bien le bonjour. Logiquement, toutes les armes font mal contre un sac d'os, mais... Allons pas dans la logique avec Elden Ring. Bah non, mais ce serait logique que les armes contendantes à base de masse, marteau et compagnie fassent plus de dégâts. Non, moi ça me semble parfaitement logique. Contre les ennemis squelettiques, je veux dire, hein, mais... Spooky scary skeleton. Ah, le mécanisme qui va m'ouvrir la porte du boss. Ta-da-da-da-da. Parti pour se faire casser la gueule. Une porte lourde s'est ouverte. D'accord. Je viens de fêter mes 22 ans. Sérieux ? Mais bon anniversaire ! Incroyable. Eh bien, bon anniversaire. Alors, attends. Mais non, j'ai jamais venu ici. Je croyais que c'est ce qui allait me ramener à la sortie. Pas du tout. It's another way. Musée mortifère. Je sais pas pourquoi, mais je sens... Ah non, c'est que j'ai dû le ramasser. Je sais pas pourquoi, mais je sens bien venir un truc, du coup, le musée, du style le musée mortifère. Je vais devoir en faire un... Un bouquet que je vais offrir, oui bien sûr. Ah voilà, gagné. Que je vais devoir offrir à Fia. La... Comment elle s'appelle ? La compagne mortuaire, non ? un truc dans le genre, je crois. Ouais, Fia qu'on a vu la dernière fois, c'est qui fait des câlins. Free Hugs, madame, là. Madame Free Hugs. Je vois bien qu'on va devoir lui offrir ça à un moment donné, je sais pas pourquoi. Traverser le brouillard. Ah ! Attends ! Rappelons-nous que nous avons... Ouais, bon, elle est pas invocable, mais il y a d'où ça? C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais invoque! Invoque ta grand-mère! Pourquoi je peux... Il me dit que je peux invoquer, mais là, je peux pas. Invoque! Tasse! Eh ben, tu sais quoi? Eh ben... Nick! Ah, d'accord, ben, c'est un échec. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête! Ah bah super! Ah, bonne ambiance! D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Mais! C'est terrible ça! Mais! Zéro couille, man! Le mec a littéralement zéro couille! Ballsman. Ah oui, j'ai peut-être pas assez de PC. Ah oui, c'est vrai. Genre, il m'immobilise et il me bute. D'accord. C'est sympa. No balls. Zero balls. Superbe. C'est vrai, j'ai pas pensé à surveiller mes PM. J'ai pas fait attention. Bon, du coup, normalement, ça devrait être bon, là. Ah oui, bah là, forcément. Alors, bonjour. Guiding. Alors, j'ai comme l'impression que le shield ne sert pas à grand-chose contre lui. Attends, je vais récupérer mes runes, là. Hop, 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 hop. Olé. Bravo. Oh. Saignement. Sympa. Mais c'est terrible ça. Oh là 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 là. Mais y'a pas moyen de se dégager de ça. Eh mais ça casse les couilles. Mais tu sers à rien. Tu sais. Mais lâche-moi. Oh putain.
vache! Mais t'as 0 HP, bro! Ma méduse, elle te gicle dessus tes mains! D'où ça? Quand tu veux. Vraiment, hein. Oh, tu me tiens en jus, mais quand tu veux, hein. Voilà, d'accord. Lutel l'acéphale. C'est un mec que je peux invoquer, ça? Cool. Ok, let's go. Bon. Oh, il m'a un peu surpris, lui, Téléportman, là. Résine de racine. Oh, mais il y en a d'autres. Craft. D'accord. Merci. Merci, je suppose. D'accord. Ok. Tu voulais un moyen plus simple? Non. Bah, aucun moyen parce que je connais pas le boss donc. Attends. Ah, voilà. Combien de PC? Oh la vache! Oh le cochon! 104. Mais j'en ai combien? J'en ai 88. D'accord. Ah ouais. Ah et donc du coup, si je veux augmenter mes PC, il faut que j'augmente l'esprit. Il me semble que c'est ça la stat qui régule les PC. Oui ma vape, là. Invoque l'esprit de Lutel l'acéphale. Lutel l'acéphale. Je sais pas qui c'est. Les loups c'est mieux. Pense pas. D'accord, ils sont plusieurs, donc possibilité de rediriger l'aggro dans plusieurs directions. Mais d'un autre côté, ils sont hyper fragiles, là où la méduse tank, attaque à distance, et en plus de ça, cause un dot. Donc... ouais. Voilà. Voilà, voilà. Le boss que tu viens d'affronter était une invocation, et si tu cherchais assez bien, il y avait l'invocateur qui s'est OS. Ah bon? C'est une invocation, ça? D'accord. Eh ben, ils ont des invocations qui sont drôlement plus pétées que les miennes, hein. Drôlement plus stylées, tout du moins. Des bisous, Japonite. À une prochaine. Après, il faut les monter de niveau. Hein? Péninsule larmoyante. Où est-ce qu'on était, là? Ah oui, on était là. D'accord. Mais du coup, j'avais tout fait ici, alors. Invocation, il y en a une belle liste. Oh oui, je te crois. Oh, je te crois. Je te crois, je te crois. Ouais, on avait été en bas... On avait fait tout ça, oui, parce que là on avait vaincu le boss là qui avait au pied de l'arbre au monde mineur. Ah, j'ai pas été dans les ruines là. Ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un œil. On va aller voir les ruines. On a trouvé le mausolée. Oui, ah oui, c'est vrai qu'il y avait le. Bah, c'était ça, non. Ouais, enfin, ouais, je vois, ouais. La geôle éternelle, c'est bon, on y avait été aussi. Ouais, je vais aller voir les ruines là. Et après, c'est que dans ce coin-là, il n'y a plus grand chose à faire, quoi. Salut Cocteau. Après, il va falloir se tirer, en fait, hein, tout simplement. Ah si, il y avait ça, là. Ça, je voulais voir ce que c'était aussi. Putain, j'étais à côté la dernière fois, quel idiot. Alors, on va d'abord aller voir les ruines, et je vais aller voir ce que c'est. Hop, ça va être un petit ping. Reprends ton bouclier, par pitié. Remarque, il n'y a pas un... Ah si, il y a ce... Ouais, il y a ça. Ah oui, les abords du village démon. C'est vrai, il y avait un truc là. T'as pas fait le coffre que t'as pas voulu ouvrir tout au sud aussi? Ah, mais le coffre là, oui, le coffre que vous m'aviez spoilé là, que ça envoie à perpète, je sais pas où là. Ouais, je vois, ouais. Bah, il y a deux coffres comme ça que j'ai deny. Montée de niveau, je peux ou pas? Non. Ah, attends, je peux peut-être. Peut-être, alors peut-être. Attends. Inventaire, qu'est-ce que j'ai en ruine dorée? Ah bah oui, on va pouvoir... Ah bah oui, on va se mettre un petit niveau, là. Rune dorée, 6. Ça donne combien, ça? Eh ben... Ah, 2000. Ah, quand même. Ah ouais. Ah, et pas mal. Rune dorée, 5, ça va donner 1008, en grosso modo. Utiliser quantité sélectionnée. Mais... Oh, merde. Normalement, avec ça, je devrais m'arrasser. Paf. Je crois que c'est... Non. Secours. Non. Putain. J'en ai marre des touches X et Y qui sont inversées entre les manettes Xbox et les manettes Nintendo. C'est terrible. Ah, c'est 7800. Terrible. Attends. J'y retourne. Inventer 2. Utiliser la quantité sélectionnée. Doth.
Donc c'est 400, donc c'est 200 lunes. Ok. Donc ce qui fait que là... Là j'ai 2000. Je crois que c'est 400 lunes. Donc là j'ai 3200. 3200, 4800. Je dois avoir 5000, ouais, pas loin de 6000 runes. Ouais, ce sera pas assez pour prendre un niveau. Ok. Alors, se reposer. Monter de niveau. Alors, on en était là. On avait commencé un petit peu à s'exciter au niveau de la foi parce qu'on avait trouvé une arme qui nécessitait 24 de foi et qui avait l'air trop stylée. Une espèce de grosse faux avec des ailes angéliques là, qui avait l'air rigolote là. Qui avait l'air très très bien. Après, on m'avait dit aussi, oublie pas de monter ta vigueur pour les HP, etc., etc., pour être safe. J'avoue, c'est un conseil avisé. D'autant que niveau dégâts, pour l'instant, on n'est pas trop mal. L'arme que j'utilise en ce moment, elle proc sur la force, la dex et la foi. On est à 18 de partout. Donc c'est soit je bourre la foi jusqu'à ce que je puisse utiliser mon arme, soit j'y vais par palier tranquille, quoi. Sachant qu'on passe niveau 35. Ah, moi, je serais du parti d'essayer de gonfler la partie offensive, mais si derrière je tente que dalle. Bon, vous savez quoi? On va prendre le pari risqué. On va bourrer la foi jusqu'à atteindre les 24 pour pouvoir utiliser l'arme. Et promis, à partir de là, je commencerai à penser à mes HP. On va bourrer pour l'instant. On va bourrer, on va bourrer. On va s'offrir des options de jeu. Et puis au pire des cas, si on est trop wixos, et ben, il sera encore temps d'aller farmer un petit peu dans un coin. Et puis voilà. C'est bon, rien n'est perdu, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Moi, je dis on augmente la foi juste pour pouvoir utiliser l'arme, mais à demain. À demain. Oui, là, normalement, je peux d'ores et déjà le faire. Mais je crois que je peux pas utiliser son weapon art si j'ai pas le bon niveau. Oh, oui, il y a des gros rats là-bas. T'es mal à la taille des rats. Ah oui, là, il y avait un gros merdier, là. Ah non, mais c'était, oui, lui, non, lui, c'était Randomax. C'était Randomax de la planète des randoms. Par contre, j'étais descendu par où? Oh, je sais plus. Le DPS avant tout. Bah, hé, la meilleure défense n'est-elle pas l'attaque? Oh là là, les plantes en bas. Ah, ça n'est pas très convivial. Bah, en fin de compte, je crois que ce feu-là restait encore le meilleur. Hein. Je vais ici, puis je redescends les ruines, parce que là, je sais pas trop ce que je vais faire, mais ça va certainement pas être bon. Pourquoi vivre si on peut cogner? Excellente question. Salut Izumi Kota, bien bon. Je suis retourné là. Ah oui, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Juste à sortir, on fait demi-tour. Et on se précipite vers le marqueur numéro uno. Et qui est où? Qui est là-bas. Alors, le choual. Salut Electro, ça roule? Swear. Ah bah on va passer par le jardin justement. Non. Ça suffit. Ah bon, je le one-tap. On rappelait même plus. Ok. Alors j'espère qu'il n'y a pas encore un de ces ours à la con hein. Alors. D'ailleurs j'ai toujours pas été tapé l'autre. J'ai cru qu'il y avait une grotte. De glotte. Eh, fais voir les dégâts que je te fais, toi, maintenant. C'est zéro. C'est naze. Ouais, c'est bon. Ah, mais attends, je suis trop con. Ah, mais attends, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Je m'y prends trop mal. Je suis mal pris. Attends, le choual, descends, toi viens là, et toi la plante, surtout tu bouges pas, faut que je teste un truc, expérience, pour la science. Bon ça suffit, à un moment donné, c'est bon, hein, voilà on t'a vu. Je vais prendre la sauce. Je me serais attendu à ce que ça fasse plus de dégâts quand même. Ah mais elle brûle. Au même jeu, elle brûle. Mais elle prend pas de dégâts. C'est naze. Attends. Ah mais je peux pas changer. Ah oui non, mon sort de boule de feu, si je le voulais, fallait le changer au site de grâce. D'accord. Feu ça brûle. À skip. Ah, je suis pas un grand scientifique, hein, vous savez. Moi ça fait partie des choses qui m'échappent. Je peux peut-être la toucher de là, remarque. Ah si, c'est juste que je lui avais pas mis tous les hits. Mais elle prend pas de dégâts là.
Non. Ce que tu fais, ça ne m'intéresse pas. On arrête tout de suite. Ok, bon. On sera tendu à faire plus de dégâts quand même, mais bon. Le feu, les plantes, tout ça, bon bah voilà. Viperia et poudre de Miranda. Veuillez rendre sa poudre à Miranda. Lys de Trina et du Champlard. Toujours plus. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, ça va encore être quoi ce sale bail là? Ah là 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 là. Ça augure rien de bon. Ça suffit. Merci Slyo pour le follow, bienvenue. J'espère que j'ai pas écorché ton blaze. Si c'est le cas, faut me reprendre, faut pas hésiter. Oh là là, trois coups parfaits, c'est à peu près ce que va me mettre l'autre truc en bas avant de me déglinguer. Non, tu veux bien te tourner vers ça là? T'en approcher, ramasser. L'arme de cristal noueuse de fouet. Ah mais c'est encore un de ces trucs là Ah bah oui. Dans une fiole améliore temporairement la foi. Ah bon? Incroyable. Ah ouais. Ah mais moi je veux savoir comment on fait ça. Ok, attention, c'est une remarque rhétorique. Hein. Ditrine. On va découvrir comment ça se passe. Enfin, je dis ça. C'est jusqu'au moment où je vais encore recevoir un DM sur Twitter qui va m'expliquer comment faire quoi. Un petit peu comme pour la cloche pour les invocations. Alors, what the fuck, Isaac Salbaï. Nom de Zeus. Mais pourquoi les sons ils sont aussi bas des alertes là? C'est terrible ça. Depuis que j'ai changé de kit d'alerte, y'a plus rien qui va. Merci la Coquin03 pour les 5 subs offerts à Zilefer, Badrezas, Metal Chronic, Mystery Titi et Lokiolf. Mais. Ah, c'est qui va. Ah, non, attends. J'ai pas config la sub bombe. Il va me faire toutes les alertes de sub une par une. Oh, terrible. Oh là là. Va falloir que je reconfigure mon set d'alerte. Hein. Il est pas tout seul. Ah, mais c'est un gros machin là! C'est un des autres énormes idiots là! Ah ouais, d'accord. 72 heures de jeu, je savais pas qu'il y avait ça là. Bah, vous avez une map, monsieur! C'est un effort! Nom de Zeus! Ouais, si je leur sonne les cloches, ils vont apprécier. Ouais. C'est des dogos? Ah non, ils ont des épées. Des dogos à épée. Bon, allez, dans la Elden Ring, y'a plus rien de surprenant. Hein. Tu peux invoquer? Non. Bah, j'ai peut-être pas assez de PC. Je crois que ça biberonne combien de PC mon truc là? Ah non, c'est peut-être que je suis pas dans la zone. Je peux peut-être pas invoquer. Ah, ça doit être ça. Je peux pas invoquer. Ruine sylvestre des semi-humains. Oh shit. C'est les elfes sylvestres? Fallait pas sonner les cloches à l'autre con là-bas. D'accord. Oh oh. Je crois que l'autre là-bas il s'est créé une sortie. Je crois que l'autre là-bas il a abattu un mur, non? Si, peut-être. Ah, il s'est réinstallé Pépouze. Genre il a laissé ses mates se faire éclataxe et puis lui se reposer là tranquille quoi. Ah, ça va, j'en ai pas offert 50. Après, vous faites ce que vous voulez hein. Faites attention hein. 50 subs hein, c'est tout de même un budget hein. Ah, il y en a encore. Merde. Ah, il y en a encore un deuxième. Oh là là! Ah mais lui là, ah il a une épée ou un bâton. Oh c'est un géant magicien. Oh terrible. Il y a des dingos du sub ici, faut faire gaffe. Oui, méfiez-vous. Méfiez-vous de l'eau qui roucoule de la main gauche de la cuillère. Oh, je tenterais bien une dingue là. Ouais, si je lui crame le cul à lui là, il apprécie la blague. Do you think?
Ah, il a adoré. Il a l'air d'avoir profondément kiffé. Oh la vache! Hein? Ah non, d'accord. Enchaîne! Bâton de la reine semi-humaine. Volée de cristal. Ah, des os. Des os. J'y peux rien. Elle a sa conscience propre. Si elle a décidé de te finir, bro, elle va te finir. Ah, je suis navré, on n'a rien pu faire. La mort lente et douloureuse. Abattu par une méduse. Et donc du coup... ok. Donc du coup j'ai récupéré un bâtonnet. Ah mais c'est un bâton, c'est pour les mages ça. C'est pas... Enfin c'est pour les mages sur les spells, intelligence. Et moi vu que je suis con comme un balai, c'est pas pour moi ça. C'est ça? Ah oui, ça proc C en intel. Oh la vache. Ouais d'accord. Ok. D en force. Et C en intel. Ah bah ouais. Vous savez toutes les méduses que tu... non. M'a grave servi au début. Ouais, mais lui, il me sert à R, du coup. Terrible. Terrible. Alors, est-ce qu'il y avait un autre intérêt que... venir tartiner la reine semi-humaine ou je sais pas quoi, là? Bon, l'intérêt a l'air d'être plutôt limité. Ouais, quelques ressources à cueillir, tout de même. Ah. Ah, mais c'est un... Oui, d'accord. Faites dodo les bros! Ah, c'est marrant, mais eux ils sont un peu plus. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh oh, c'est pas le même genre lui. Oh là, c'est pas le même lui. D'où ça? Allô? Ah, mais c'est un des gros machins là. C'est le mec qui était endormi à côté du pont, je me rappelle. I remember now. Dague immaculée de sang. D'accord. Eh bon. Bon, ça suffit. Ça dure trop. C'est trop. Dure trop là, dure trop. Ah, ça dégage. Dague immaculée de sang qui m'aide. Merde. Inventez-le. Non. Équipement. Ça? Non. C'est ça. Ça prend que C en force et E en dex. Pour une dague, la vache, C en force. Incroyable. Ouais, d'accord. Critique 110, ouais, donc forcément, j'imagine ça doit aller très vite. Accumule du saignement 38, intéressant. Intéressant. M'excusez, j'ai rush le jeu. Ah, mais vous jouez comme vous voulez. Hein. Ça, c'est bien un truc sur lequel on a bien insisté dès le départ. Hein. C'est une expérience de jeu qui se vit à votre rythme, à votre façon. Ça surprend un peu la méduse qui débarque dans mon angle mort là. Paf. Ok. Pour l'instant, on en fout un peu la paix à mes popos. Allez, let's go. Moi, c'est la première fois que j'offre des abonnements, tout d'abord parce que je t'apprécie, que je veux te soutenir la chaîne, et deuxièmement, car c'est ton live qu'on m'offre le plus d'abonnements, donc je trouve ça normal de les rendre à la commu. Sur ce, bonne soirée à vous. Oh la co, oh ce fair play. Très très beau. Hein. Bien joué, je, et merci beaucoup. Un prêté pour un rendu. Pour ainsi dire. C'est beau. Qu'est-ce que c'est que ces connards? Ouais, oh, ouais, d'où ça, tranquille. Ah, c'est qu'il y avait, y en a qui peuvent se rendre invisibles parmi eux là. Sympa. On les aime au village, cela. Oh, oh, pas du tout. Bon, je ramasse des fleurs, mais bon, l'intérêt commence à devenir un peu limité, quoi. Oh, il y a encore des trouducs. Ouais, bah je pense qu'on va se tirer. Hein. Vers où, j'en sais rien, mais je pense qu'on va se barrer. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment hors sujet, je ne sais pas si tu as vu, dans les élus, on a une grosse mage, il y a beaucoup de contenu qui est sur Vampire Survivor qui devrait arriver de 8. Alors non, j'ai pas vu. Mais j'ai cru comprendre qu'effectivement, il allait y avoir des grosses dingueries qui allaient arriver dans un avenir proche. Mais j'avais pas la date, j'avais pas l'info. Bien, maintenant, grâce à toi, je l'ai. Merci beaucoup.
Non, mais qu'est-ce que tu lock là? Ah. Bande de petits bâtards. Ah ouais, 3-5. Let's go. Foiré, le pari. Ah bah c'est ça, ramenez-vous. Allez-y, groupez-vous bien. Reste groupir. Bon, écoute. Si t'y vas pas, moi j'y vais. Hein. Bon, par contre, il y avait du loot là au sol, là, ils m'ont éloigné du loot. Ah, mais les coquins, ils peuvent se foutre dans les fourrés ou je sais pas comment là. Saleté! Hop. Excrément doré. Ah oui. C'est vrai qu'ici, il y en a qui chient de l'or. Corde. Ah! Bah ça tombe bien, il y a des arbres partout. Allez, parfait. C'est pour moi. Salut Karine Thomas, bien le bonsoir. Le chef il veut du halal. J'ai la ref. Ah, elle abat toutes ces plantes là, elles sont là pourquoi là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que vous me cachez vous? Qu'est-ce que c'est que ce groupement interflora là? Oh oh, non 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 non, mais c'est bon, si on peut plus rigoler maintenant. Oh là là, que vous êtes chiant. Oh, que vous êtes chiant. Ah, attends. Dépêche. Dépêche. Prends ton temps, mais dépêche-toi un peu quand même. Hein. Ok, 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 ok. Oh, je sens qu'on va passer un moment délicieux, 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 oh délicieux. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? La fameuse forêt du suicide du Japon. Ah oui. Non, non, c'est pas les... Non, c'est... Non, mais c'était un live... c'était un live bien avant là. Il y avait un temps où les lives ici c'était bien. Voilà, moins une. Dégage, par pitié, dégage. Oh là là, le zbeul. Ah mais combien vous êtes là-dedans? Oh là là, mais quel bordel. Et mourrez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, recule. Arcule, arcule. Arcule. Oh oh. Bon, toute possibilité de faire demi-tour est maintenant... Non, c'est long. Alors, comment ça se passe toi? Non, pas comme ça visiblement. Ouais, c'est pas réaliste, elle se touche même pas avec ses propres dégâts. C'est nul. J'aurais dû me battre à deux mains ici, je suis un peu bête. Ah, si t'as des aggro, j'aurais dû les aggro à deux mains. Oh, rune dorée. Oui, c'est un gros oui. Fais tourner les serviettes. Oh là, non, 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 non. Ouais, c'est bon, ça suffit. Bah, comment ça? Dis donc, cochonnerie. Bouge! Pitié, bouge! Bon, qu'est-ce que vous me cachez, vous, pour être aussi nombreuses, là? Quoi de bordel, là? Ah, plus de magie. Ballot. Alors. T'as raté. Bouge, par pitié, bouge! Ah, bien joué, je. Bouge, par pitié. Ah, parce que l'empoisonnement, merci, mais non, merci. Hein. Il y en a encore une là? Oh, mais c'est pas possible. Oh, bah vas-y, vas-y, le jeu. Oh oui, oh oui, lag plus, oh oui. Oh oui, oh. Oh, ouais, ce lag. Délicieux. Oh, miam, 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 miam. Un bon petit lag saveur lag, là, comment je les adore. Bouge. Ah, vous aussi vous l'avez kiffé ce petit lag là? Ah, il était bon. Miam 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 miam.
Ça, on en veut tous les jours des comme ça. Les mêmes. Sans rien changer. Hein. Garder la même recette. Hein. Mamie serait ravie. Hein. C'est bon, ça se termine un jour ? Merci. Bonjour. Paf. 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 Voilà. Ah, 268 âmes la fleur. Oh, puis je récupère mes popos et tout, très bien. Hop, à boire. Si. Ah, voilà. L'opération rondement menée. Maintenant, opération Interflora. On ramasse tout. Hop, let's go. Blablabla. Eh ben, dis donc. Et ça, vous, combien vous pariez ? Combien vous pariez que je ramasse tout ça ? Tous ces composants de craft ou je ne sais quoi. Je sais pas quelle sera exactement leur utilité. Et je m'en servirai pas de la moitié. Combien vous pariez ? Moi je pense que je gagne aise le pari. Hein. Mais alors aise. Hein. Et remarque, je suis en train de me dire peut-être que. Ah évidemment. Oh ! Dégage. Je suis en train de me dire que peut-être que maintenant, je pourrais peut-être commencer à repenser un petit peu à la Siofra. Ah. Ah, ça me prend mon traître en plus, hein. Saleté. Ah, meurs. Oh, bah, puis mes potions et tout. Bah ouais, let's go. Ah, bah, c'est à l'heure. Ah, d'accord. Ah, mais c'est des mines. Les trucs comme ça sur la map, c'est des mines. D'accord. Ok. Ouais, Siofra, ouais, Siofra, ouais. Ouais, mais attendez, j'y suis allé la dernière fois, j'étais sous-stuffé. J'avais rien. Galerie de vent hurlant, d'accord, si tu veux. J'entends un bousier. J'étais pas bien la dernière fois, on était pas dans les bonnes conditions. Ça se trouve, on l'est toujours pas, hein, mais bon, on est mieux que la dernière fois, quoi. Et là, regardez ça. Hop. Petit site de grâce, là. Allez, c'est pour moi, ça. Bordel de fiacos, je suis pas serein rien que d'y penser. Ah non mais moi non plus. Ah vous savez quoi? Je suis là, donc. Inventez-le. Paf. Use. Full. Paf. 2200. Il va falloir un peu plus de 8000, alors il va falloir se forcer un peu. Hein. Allez. Montre-moi ce que t'as dans le slibar. 1600. Non, on n'y est toujours pas. Encore. Bon, une ça devrait suffire, non? C'est combien? C'est des runes 2 ça? Ouais, 400. Bon, on est bon là peut-être, non? On va voir. 8002 pour monter de niveau. Putain de bordel. 8214 et j'ai 8209. Génial. Oh là, y'a un de ces bordels derrière là. Inventaire. Une dorée. Tellement bien pratique ça. Alors, hop! Du coup, on est là. Comme on l'a dit la dernière fois, paf, paf, solution offensive pour le moment. On monte à 20 en fois. Let's go. En plus, ça augmente mes immunités, robustesse et tout. Ouais, c'est du positif, quoi. C'est du positif. T'es pas perdu. Alors, direct. Oh là là. Ah. Vous voyez que j'ai pas assez valorisé le côté offensif. Je les one-tap pas. Il en reste un pev. Vous voyez que je suis pas monté assez haut. Mais c'est les autres connards qui avaient dans le château. Je vous reconnais, vous. C'est Blanche-Neige et tous les petits nains. Bah d'accord, bah let's go. Bon là, vous êtes moult. Ah, je peux peut-être vous mettre des boules de feu dans le cul. Ah ouais. Ah ouais, je suis un génie. Ah ouais, vraiment, idée de génie, quoi. Ah non, d'abord, l'idée de génie, c'est d'aller le voir lui. Première idée de génie. Éliminer les touristes. Oh putain. Oh, oh là là. C'est le shortcut, mais c'est pas le shortcut safe, hein. Ok, hein. Mes grosses fesses servent d'amortisseur quand je me fais baiser par des boss. Hein. Ah, ça dépend de la hauteur de la chute. C'est pratique des fois d'être bien rembourré. Pour moi, je sais de quoi je parle. Oh le con. Ah mais c'était. Oh le bâtard. Petit enfoiré. Ah mais quoi? Pardon.
excusez-moi. La surprise. Il m'a surpris. C'est... Et c'est ce que provoque en moi la surprise. C'était compliqué. Ok. Oh, les fumiers. Non, là, une popo s'impose. Il m'a surpris. Je suis désolé. Excusez-moi. Il m'a surpris. Et j'ai pas su comment gérer. J'ai mal réagi. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Bon, qu'est-ce qu'il fait, là, Blanche-Neige, là-haut, là ? Hop. Alors, salut. Ah oui, c'est vrai que... Ah, il saisit pas les échelles automatiquement. Et tu fais quoi, bro ? Bah, un peu, quoi ? Ah oui, quand même, si, tu prends des... Putain, mais la vache, tu prends pas de damage, toi ? Merde. Obtenir des matériaux. Quoi ? Des pierres de forge ? Genre ! Alors, les cimetières, c'est les runes dorées, et les mines, c'est les pierres de forge. Terrible. Tant de virilité dans ce cri. Ah bah, j'ai, croyez bien que j'ai mis tous les efforts. Hein. Ah, j'ai mis toutes les formes possibles. Hein. Ah, vraiment. Ah, attendez, ils sont en train de miner des pierres de forge, des trous de balles, là. Let's go. Lui, il faudrait que je lui tombe dessus, lui. Non, mais eux, là, eux, je vais pas me les faire à la régulière, je vous prie de le croire. Eux, là, ils vont se prendre un... Zbélé. Encore. Again. D'accord, c'était très inefficace. Ah, faut que j'arrête, je vais avoir ma barre de statut qui va être remplie. Ma barre d'affliction. Comme je sais pas trop ce que ça provoque d'être full dans ce merdier, on va éviter. Attends, on va laisser un peu la pression redescendre. Là! Voilà, moins de... J'aime l'esprit. Je vous ai dit que j'aimais bien la magie. Arrête! Oh putain. Ouf, c'est chaud. Il y a toujours l'autre qui dort en dessous là? Non, sérieusement. Travaille pour toi, donc une mort rapide, très sympa. Ah mais j'ai fait de mon mieux! Je lui connais un backstab, il s'est relevé. Pas de ma faute. C'est mon arme, elle est trop inefficace. Et l'autre, il est toujours en train de pioncer. J'ai fait rôtir tous ses potes sous son nez. Pff, il est toujours là. L'autre, il chill sa meilleure vie, quoi. Bonjour. T'as quoi pour moi, toi? De l'artéria. Ouais. Alors. On va faire. Eh oh. Eh oh. Va prendre le petit apéro. Nique-le. Bravo! Nique-le! Très inefficace! Bravo! En 97 runes, ouais bon. Pierre de forge 1! Ah mais c'est les bébés pierres de forge! Oh oh! Ça suffit! Il rêve d'un barbecue sûrement. Ah bah je n'ai fait que qu'embellir son rêve alors. C'est ça que tu veux me faire comprendre? En fait, je suis une belle personne. Et ça, j'aime. J'aime embellir la vie des gens. Pierre de forge sombre. Ah oui, ça, j'en avais besoin pour, bah, pour cette arme-là, je crois, d'ailleurs. Il me semble que c'était ça dont j'avais besoin. Totalement, tu leur fais du bien à ta manière. Exactement. Bah, ne serait-ce pas là la définition de l'amour vache. Quoi qu'on y est, hein. Paf ! Merde ! Merde ! Backstab, j'ai pas passé. Je suis désolé, bro. Par contre, merci pour la bière de forge. Hein. C'est gentil de pas l'avoir récupéré. Alors, attends. Oh, on continue de s'enfoncer un peu plus par là. Ok. Ah oui, bah j'ai bien fait de checker mes potions. Alors, attends. Parce qu'il y a des galeries partout ici. Et encore, c'est sans parler de celles que j'ai pas vu là-haut. Attends, ce qu'il y a sur le mur là, ça se récupère ça? Oh. Oh. Ah non, c'est juste un détail. C'est juste un détail pour nous, mais pour eux, ça voulait sans doute dire beaucoup. On ne peut que l'imaginer. Ah bah lui, c'est littéralement tué à la tâche. Moche. Du coton. Le type est littéralement mort desséché ici, le peu qu'il lui reste était sa tenue, je lui enlève. Let's go. Je vous avais dit aussi que j'aimais bien les bonnes ambiances. Ah vraiment. Pas trop incognito. Ah bah totalement, regarde. Grosse épée, gros bouclier, tenue noire couverte de sang. L'ecclésiastique. Parfait. Ah,
Alors là, on remonte. Bah, c'est peut-être pas une si mauvaise chose, parce que tout à l'heure, j'étais en haut d'une structure. Putain, mais regardez-moi les, quoi. Bon, je pense qu'ils sont là, ils sont même pas syndiqués ni rien. Protection précaire. Oh là là, j'ai vraiment de la peine pour eux, hein. C'est terrible. C'est terrible. Le moins que je puisse faire, au moins, c'est... faire en sorte que ça ne dure pas. Aïe. Tu devrais pas le prendre comme ça, bro. Je t'avais prévenu. Par contre, faut peut-être pas... Oh. Ah. Toi, par contre, tu peux le prendre comme tu veux. Mais surtout dans la gueule. D'accord. Belle démonstration. 10 sur 10. Félicitations. Et toi, tu viens de les tuer. Et vu dans quelles conditions ils sont... C'est terrible. Boulette cicatrisante. Boulette cicatrisante. Pour soigner le saignement, peut-être. Oh là là. Oh, comment que ça roupille là-haut, là. Ah, je t'entends, hein. Pas le réveiller. Et Bobby qui fait dodo. Je vais le laisser bosser, lui. Par contre, Bobby qui fait dodo, je te prie de croire que son fiac, il n'y en a plus. Hein. Un petit fiac. Tourne-toi. Allez, hop, ça dégage. Rune dorée. Ah, voilà, ça c'est des beaux cadeaux, ça. C'est des beaux cadeaux. Quand les prunes ne voient pas ce que tu fais. J'ai pris le soin de les buter avant. Ça là, je suis incognito. Salut. Non, tu mets rien dans ta besace, là. Tu rends ça tout de suite. Regardez-moi ça, vous voyez qu'il faut les éliminer. Ils sont en train de voler le fruit de mon labeur. Fût-il le leur, mais c'est pas grave. Hop, ça dégage. Super. Pris la main dans le sac en train de chouraver dans la caisse, quoi. Super, il faudrait cautionner. Bravo. Que dalle, cautionne pas ça. Pierre explosive. Excellent, des grenades. Le Fast Sky, ça roule. Enfin, attraper toutes les rediffs sur Elden Ring. Ah, oh, tu les as fait depuis Twitch alors, parce que sur YouTube, on est un peu en retard. Un tout petit peu à la bourre sur YouTube. Top, t'es pas. Un petit peu, t'es pas. Salut, Matt. Une histoire, j'ai vidé la cave de ma mère pour faire un nettoyage et sinon je suis tellement happy pour la bande annonce de B1 J-24. Pas la ref. Pas la ref parce que pas suivi. Comme le dit l'adage, m'en fous pas lui. Oh, on est revenu là. Oh non, pas du tout, c'est pas la même zone. Si. Vous êtes tous morts ici. Ah, vous êtes tous morts. Ouais, je me permets de piétiner le cadavre, on sait jamais. Donc, bah non, j'y retourne. Salut Mickaël. La forme. Hop là. Alors, où est-ce que je suis censé aller là? C'est un peu labyrinthique là-dedans quand même. Hein. Alors, là-haut. Alors, ouais, il y a l'autre là-bas qui est en train de taper contre des cailloux et ça lui fait du bien. Eh ben, on va lui taper sur la gueule et ça va faire du bien à la nôtre. Ça suffit! Là! Paf! 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 Voilà. Ça dégage. Un mât de pierre explosive. Écoute. Pierre de forge. Vous connaissez, hein, vous connaissez ce monsieur de forge? On le voit partout en ce moment. Après la mort, tu leur chies dessus, c'est pas sympa. Oh, je les conchis, mais voilà, encore une fois, c'est pour leur bien. Imaginez, je les ai laissés estropiés. Assurance maladie, arrêt de travail, indemnité, forfaitaire et tout ça, ouais, c'est bon. Si j'avais envie de jouer à CGT Simulator, j'aurais trouvé un vrai boulot, j'aurais arrêté le streaming. Lol. J'ai entendu le ratus. Je me rappelle que cette mine est atroce, j'ai mis 30-45 minutes pour trouver le chemin. Ah, terrible. Ah oui, compliqué. Le 4 mai, c'est la célébration de Star Wars, donc ils ont sorti de nouvelles bandes annonces. Oh. Vous savez, moi et Star Wars... Moi j'aime bien Star Wars, mais... je suis pas non plus un accro adepte inconditionnel de ouf. Moi je vous l'ai déjà dit, hein, quand je regarde un Star Wars, je regarde avant tout un bon film SF et puis très gros budget, certes. Un très bon film SF et pour ma part, ma vision de Star Wars s'arrête là. Bonne nuit Charlie, à une prochaine. Avec le respect le plus total évidemment pour ceux qui sont bien entendu accro adeptes de la licence.
Hop. Oh. T'es pas là tout à l'heure. Alors qu'une porte, une énorme porte, porte en bois. Une porte en bois en scénarium que je ne pourrais sans doute pas faire brûler. Combien vous pariez? Hop. C'est le boss. C'est la salle de boss. C'est la salle de boss. Oh les bâtards! Oh comment ils m'ont feinté! Ah les fumiers! C'est la petite porte en bois comme ça qui a l'air de rien, tu pousses, coucou, surprise bitches! Ah ouais d'accord. Et qui là-dedans, là, King Kong? Knock knock, who's there? Ah, visiblement pas douce. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans là? Y'a qui là? C'est de voir depuis tout à l'heure, je vois un truc en face. En tout cas, ça roupille sec là-dedans. Toc toc. Ah. Je peux invoquer cadeau. Donc, invoque. Chimère écailleuse. Chimère. Pas banal comme méthode de déplacement. Pas banal les dégâts je prends dans la gueule non plus. Oh! Oh le saignement qui approche, let's go! Allez, ça dégage. Encre rouillée. D'accord. Ce qui est quand même drôle, c'est que j'ai un souvenir assez prononcé de ces mobs là. Qu'on croise d'ailleurs par la suite au château de Hurlevent en tant que mob standard dans la nature. Et que là en fait t'arrives dans cette mine qui est certainement une mine d'early game, tu dois tomber dessus au bout de 10 minutes. Et que tu en fait tu te le tapes comme boss. Quel déconvenu après de taper ce mec là quand t'arrives au château de Hurlevent. Et pas tout seul en plus. C'est beau hein. Sérieux, moi j'ai passé 30 minutes et toi t'as trouvé direct. Bah une salle, une plateforme, je descends, 3 couloirs, j'en visite 2, il en reste plus qu'un. C'est dedans quoi. Voilà. Bah c'est tout. Hein. C'est aussi basique que ça. Donc. Équipement. Une encre rouillée. Ah la vache, ça prend que C sur la force. 26 de force. Bah ouais, d'accord. Ah oui. Ah puis c'est pas le modèle Playmobil. Hein. Ah oui, quand même. Ah ouais. Et le tout à une main. Osef. Kenyev, c'est un vrai bonhomme. Alors. C'est quoi ce truc? Effet passif. Vous poussez un cri bestial pour vous redonner du courage et augmenter votre puissance d'attaque. Tant que l'effet est actif, convertit vos attaques puissantes en enchaînement de frappes brutales. D'accord. Eh ben, je m'en fous pas mal. Par contre, les dégâts sont sympathiques. Ça, y'a pas de problème. Mais, je monte tabasse le Ray. Et ça, c'était quoi ça? Ah, c'est une petite dagouze. Alors évidemment ça mitraille quoi. C'est alors qu'à un moment en sujet, je viens d'avoir quelque chose que je pensais impossible. Les deux derniers multis sur le Trick and Magic qui me donnent 3 persos. Normalement si je peux t'envoyer des photos des multis. Tu peux mais on les regardera pas forcément tout de suite dans le sens où s'il faut que j'altabe sur Elden Ring, ça me fout le bordel donc on les regardera pas maintenant quoi. Ok. Bon et bah du coup barrons-nous. Voulez-vous retourner à l'entrée? Ouais. J'ai envie de faire le reste du bâtiment. Et moi, il y avait une échelle. Pas vu. Comme dirait l'autre, m'en fous pas vu. Bon, après, je suis retourné à l'entrée. C'était une échelle du décor. Ah, d'accord. Par contre, on est bien d'accord que ce qu'on entend là, c'est un bousier. Un chemin alternatif. Allez, petit bâtard, je l'avais pas vu.
Il y a un chemin alternatif. There's another way. Les petits bâtards. Je viens de le voir, le chemin. Vas-y, redescends. Redescends. Thierry, redescends. Attends. Inventaire. Non, pas inventaire. Équipement. Oh merde. Comment je mets la torche? C'est là. Non. Bah, nique. Pierre de forge. D'accord. Bon, cependant, c'est pas le bousier que j'avais cru entendre. Faut donc que je remonte. Mais avant toute chose, on se repose. Bonsoir, j'arrive, ça veut caler des encres dans des fions. Ah oui, on veut clairement que ça soit ancré dans leur fiac, oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai comme rune? Probablement pas assez. Oh, du coup, attends. Retirer. Alors attends. Moi j'entends. J'ai. I hear bousiller. Oh, vu. Pas du tout. J'ai crevé. Au revoir. Ah non, pas du tout. Ça va. Ouf. Mais j'ai vu. J'ai vu le chemin. J'ai vu la lumière. Oh, oh putain. J'ai vu l'énorme trou. Je fais. Oh tiens, y a un autre passage. Non, pas du tout, non. Ah, celui-là, pour en revenir, ça va être compliqué. Allez, j'aime bien jouer avec les leviers. Gros levier, là. Gros levier de bonhomme, là. Après, va ramasser ma meilleure encre, là. Ouais, t'inquiète. Et pourquoi ils ont des torches au mur qui marchent et la mienne, elle fait que dalle? Bon, mal fait, ce jeu. Hein. C'est mal fait. Attends, mets-toi sur le teco, là. Ah, mais je me suis encore pris la tête dans la poutre, l'eau. Attends. Non! Je vais crever, au revoir, adieu. Alors ce qui est quand même intéressant, on va prendre deux minutes pour méditer sur ce qui vient de se passer. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que pourtant, j'ai pas fait un tout droit dans ma chute. C'est-à-dire que j'ai pris le temps de taper un peu des morceaux de décor à droite à gauche, qui normalement, si on était dans un jeu qui était bien fait, hein, aurait dû amortir ma chute. Mais là non, j'ai tout pris dans le fiac. Un seul jeu. Non, c'est juste un seul jeu, c'est tout. Un seul jeu. Pas grave, c'est bon, les âmes, elles m'attendaient là. Enfin, les âmes, les runes, là, voilà. Non, c'est bon, c'est un seul jeu, c'est mal fait. Rembourser le jeu gratuit, quoi. Mais... Putain, mais je deviens fou. Non, c'est pas que je devienne fou, c'est que je reste très con, surtout. Voilà, t'as vu? Oh, aise. Incroyable. Hein? Quoi? Ça pour ça? Quoi? Je vais pas m'énerver. Vraiment? Mais je l'entends. Il peut pas être là, si? Mais... Mais on peut y voir quelque chose dans ce pays de con là? On voit que dalle! Au secours! Je veux pas prendre la torche. Ma lanterne, elle fonctionne. Et la chute était RP, le perso aurait au minimum les deux genoux pétés quand même. Ouais, après je me serais jeté dans le canal pour finir avec la vie, mais bon. Fallait l'utiliser. D'accord, c'est bon. Bon, j'entendais un bousier à l'instant, là. Où est-ce qu'il est, cet idiot, là? Ben, moins de fou, lui. Où est-ce qu'il est? Elden Ring est vraiment sadique. Ça va, ouais. Mais... Je vous jure, j'ai entendu le bousier, quoi. Ça me rend fou. Oh, j'ai cru que j'allais refaire la même. Au secours. Bon, on va faire des sauts maintenant, vous savez quoi? Nouvelle règle. Maintenant, on va faire systématiquement des sauts.
Même quand il y aura juste 3 cm à franchir. Oh non. Il fait trop d'expérience malheureuse. Bon, vous savez quoi? Le balbousier, bah, qu'il y reste dans sa merde. Voilà, qu'il y reste. Na. Ah. Salut Maltael, comment tu vas? Oh, ça va tranquillement. Passez une bonne journée. Non, exécrable sa mère. Dégueulasse la journée, dégueulasse. Full dégueu. En fait, il est super ton overlay, je le trouve plus épuré. Ouais, je l'aime bien. Bon, par contre, c'est vrai que pour le coup, personne n'a encore braillé sur le fait que j'étais devant les runes. Tant mieux, parce que de toute façon, je vous aurais pas écouté. Alors. Il est au-dessus? Mais. Il est au-dessus en fait? Il est au-dessus de l'ascenseur? Je t'en crains dans mon pâté rune. Ça tombe bien, ça va pas afficher à l'écran. Chier. Allez, c'est bon. Enlève-moi la torche. Ça prend du poids ça en plus. Ah non, pas du tout. Non. Ouais, des yeux et jouer Elden Ring, après c'est pas la meilleure des idées. Non, mais ça défoule. Au moins on peut se lâcher. Alors forcément les plantes sont revenues. Mais je l'entends même encore à l'extérieur. Il va me rendre fou ce con. Hein. Voilà, il est au-dessus là-haut quoi. Il va me rendre taré. Hein. Il va me rendre taré, il va me rendre fada. Je devienne complètement fada. Non, j'ai cru legit voir une échelle. Hein. Ah, ça par contre. Mais non, mais. Putain. Eh oh. C'est moi, oui. Donne. Donne les runes dorées. Oh, les chauves-souris, c'est bon, hein, c'est bon, c'est bon. On a assez rigolé avec vous. Hein. On vous massacre depuis l'aube des temps, c'est bon. Ah non, allez, j'ai jamais pris ça, moi. Un skip, c'est rigolo. Let's go! Double saut. Ah oui d'accord, mais ça, ouais, ça plaisante pas trop la distance de saut quand même. Enfin la hauteur de saut. Ah ça plaisante pas des masses quand même. Ok. Bon, me v'là de retour à ce pont. J'ai fini... Non mais sérieux, pas un effort Bigleman. On avait tout fait par ici je crois de façon. Bah oui, on revient là. Mais j'ai aucun intérêt à venir ici, à rester ici maintenant. Y'a pas un petit dragon là, histoire qu'on rigole un peu, non? Non, pas du tout. Bon. Pas dans le jeu, c'est chez toi. Ah, merde. C'est chez moi le... les cloches dans ma tête. Oh, terrible. Costume de gardien. Et masque de gardien. Qu'est-ce que c'est? Ah, de la merde. Il y avait longtemps. En charge moyenne. Ouais, mais ça tanque un peu plus. Armure de Kaiden. De la merde, de la merde, de la merde. Et le ch... Ah, mais il est mieux. Ah, il est plus long, mais il est mieux. Oh. Allez. Allez, allez, allez. On se fait un petit plaisir, on se fait un petit plaisir esthétique là. Oh, allez. Ouais, non, mais c'est validé que j'ai plus rien à faire ici. Là où on y a été, donc. Là où est-ce que je vais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est quand même triste que je me pose maintenant cette question. Dans le sens où je sais très bien qu'on est très très loin d'avoir exploré vraiment. Une bonne partie de la map quoi, là, là on est vraiment à rien du tout quoi. Ah mais attends. Là il y a un arbre monde mineur, il y avait un mec au pied de l'arbre. Hein. Et là je vois quoi? Il y en a un autre. Another one. Ah, tiens, tiens, tiens. Donc possiblement on va encore tomber sur un énorme merdier. Ah bah là il y a une mine. Là il y a une mine. Là il y a un truc, un observatoire, vieillarde de l'augure des doués. Ok. Là, il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Là, l'espèce d'observatoire, on est déjà passé devant. Ça, on a... C'est une geôle, ça? Non, c'est un élément de décor random, ça, on s'en fout. C'était une geôle, moi, je dis, casser la gueule. Hein. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on avait vaincu Jean-Michemuche dans le château.
Et du coup, on n'avait pas été plus loin. Bah du coup, bah je sais pas, mais on va aller peut-être... Ah, c'était le puits de la Siofra. Attends, à côté du puits de la Siofra, il y a un énorme... Oh, d'accord, pas fait gaffe. Merci, Escroc TV pour le follow, bienvenue. Bled le semi-loup. Qu'est-ce que c'est que ça, Bled le semi-loup? Vas-y, j'ai envie de voir, moi, j'ai envie de voir, je vais vibrer. Laissez-moi vibrer, je veux savoir ce qu'il y a là-bas. Mais on n'a jamais vu de gardien de l'arbre. Pourtant, on est descendu par le puits de la Siofra. On a fait que descendre, on est vite remonté, hein, bizarrement. j'avais rechargé mes potions. Oh, dans le doute. J'ai de quoi prendre un niveau? Non, je crois pas. 8600 runes? Attends, j'ai quoi en runes dorées? Qu'est-ce que j'ai en runes dorées sur moi? Ah, pas assez. Pas assez, pas assez. C'en est où ici? Pas loin, pas loin. On a commencé le jeu il n'y a pas très très longtemps. J'en suis à... Je sais même plus combien d'heures de jeu, peut-être. Allez, grand maximum une quinzaine. Niveau 35, une petite quinzaine d'heures de jeu. Voilà, tranquillou quoi. Tranquillou, tranquillou. Alors attention, je préfère préciser. S'il y a des personnes ici qui nous rejoignent pour la première fois, qui ne m'ont jamais vu jouer à un Souls, à ma décharge, sachez que ceci est mon deuxième Souls, après Sekiro. Que tous les builds qui marchent à donf dans le respect du jeu, j'en ai rien à branler. Et donc, j'ai un gameplay qui parfois peut faire hérisser un petit peu le poil. Donc, voilà, je préfère prévenir. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh non, il y a trop de tentacules senpai là. Trop de tentacules senpai. Pour les turtles, d'accord. Voyons voir. Salut Itaki Sensei, bien le bonsoir. Tiens, on parlait de Yamete Kudasai, bah on a Itaki Sensei qui arrive. Coïncidence, je ne crois pas. Donc là on a Bled le semi-loup. Bah vas-y, on va aller voir qui c'est. Qu'est-ce que c'est encore tout ce monde là? Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut. Ferme. Ça dégage. Salut. Arrête. Laissez-vous. Arrêtez de crier. Commence à se voir. Je l'ai raté. Arrêtez de tabasser mon cheval. Dit-il en tabassant des singes. Ouais. Oh, 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 oh. Il va passer loin, musclore là. T'es mort comme les autres. Hein. Oh, quelle allonge. Quelle allonge. Bon courage pour ta première run. Merci beaucoup. Là pour l'instant ça se passe bien. Comme je le disais récemment, je suis pas un grand adepte des Souls parce que par définition c'est une catégorie de jeu qui me saoule en fait. C'est con à dire mais ça me gave les Souls. Mais je l'aborde de manière beaucoup plus sereine que Sekiro à l'époque. Donc ça va. Pour l'instant ça va. Magasin ouvert. Hein. Il y a son père, ça raconte. Bon bref. Alors, là, à Skip, il y a Bled le semi-loup. Un soul qui te saoule, feel the joy. Ça va, dit, t'as un skill sur les formes qui est regardable. Ah, merci, c'est plaisant. Belle synchro, bravo. On s'en fout. Merci, Baka, ça roule. Ouais, je sens vraiment une dinguerie arriver là. La brume. Ah, des dogos. Putain. Oh là là. Oh, je peux invoquer. C'est curieux, c'est pas une référence pour le coup. Ouais, mais c'est moi, l'univers me plaisait bien. J'avais toujours voulu le tester, puis bah, on a eu l'occasion. Alors, on l'a fait entièrement. Hein. Mais alors, j'en ai chié, roté, vomi du sang. Hein. Oh là là, vous entendez ça? Je l'embête pas hein. Non. 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 Ah non, pas vous non plus hein. Ah la vache. D'accord. Alors bon. Je vais tenter un truc. À l'intention du public sensible, surtout ne reproduisez jamais ça chez vous.
En tant que professionnel, la majeure partie du temps, je sais ce que je fais. Enfin, pas tout le temps, mais voilà. Je suis ravi de voir qu'il ne prend pas de dégâts. Oh, le stun. Let's go. Barre-toi. Vite, cours. Oh le bâtard! Prends ton bouclier par pitié! Ok. Tu peux me relever sinon? Histoire d'arrêter de me faire infiniser la gueule? Non. Bravo tout ça! Bravo! Elle prend pas de dégâts la méduse, c'est hallucinant du fiac. Hein. Allez! Let's go! Alors, à skip, Blade le semi-loup, ours, je sais pas quoi, dans semi-loup, je tombe sur un ours énorme. Ah, sympa, Blade. Oh, s'imposant de bête. Oh non, Baka, t'as pas le droit. Bon, je te rends tes points. Oh non, parce que sur Elden Ring, si je veux mettre une pub, il faut que j'altabe et tout. Non, c'est super chiant parce que ça me fait des dingueries après. C'est gentil de penser à mon argent, mais. Mais là, pour le coup, ça me fait des dingueries si jamais je fais le. Si jamais je fais le skip. Apparemment, Elden Ring, ça fait partie de ces jeux où le triple screen. Non. Non. Non, non. Non, Elden Ring et le triple screen. Ah. Ah. Bon, un coup. Bon, je suis bien content qu'on ait fucked up petit ours brun là. Par contre, il y a les dogos. Alors, les dogos. Dans quelle mesure vous allez me rompre les glaouis en 12 ? Oh. Oh, j'ai senti tellement arriver le plan cul là. Oh, d'accord. Tout ça pour une pierre de forge 2. On va descendre hein, parce qu'apparemment c'est que petit nounours, là, il faisait quand même dodo sur ça quoi. Sors pas nounours hein. Ouais, j'arrive. T'inquiète. Je viens te régler toi aussi là, bouge pas. Ah mais non, c'est encore un coffre de ces morts qui va me TP, je sais pas où là. Oh là là. Ah non, pas du tout. Talisman de la hache. Super, j'en utilise pas. Qu'est-ce donc? Améliore les attaques chargées. Un grand. Merci. Je suppose. Ok. Bon bah salut. T'es nounours de bonne nuit les petits. Ferme ta gueule, intensifies. Remember the memes. Bon alors. Les dogos. Coucou. Bah. C'est où ces idiots? Oh là. Comment ça me plaît moyen le jeu de cache-cache là. D'ailleurs Blade le semi-loup là, je sais pas quoi là, il est où Jean-Michemuche là? Là. Mettre un ping sur lui. Où est mon ping? Where is my ping? Du tout ici. Mais Blade le semi-loup, mais c'était le nom du boss? Mais il va me rendre fou! Il est où? Mais. Je pète un plan. Il va me rendre dingue le machin là. Souris, oui, mais c'est pas eux qu'on cherche. Sauf si les chauves-souris ça commence à aboyer, bon, auquel cas va falloir me réexpliquer certaines choses, mais Mais vraiment? Ah! Là-haut! Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, bro? Mais d'accord!
Oui. Salut. Tiens. Ouais, non, pas de problème, je t'ai vu. Oh, me jeu. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est plus là-haut. Et je l'ai pas vu sauter. Il est toujours là ? Partant du principe. Mais tu joues à chien perché ou bien ? Mais quoi ? Mais c'est une blague ? C'est un chien ou un singe ce truc ? Bah c'est un... C'est barre. Ah, je suppose il fait des aouh ! Il fait des aouh ! S'il fait des aouh, c'est Dogoman. Non, tu restes là-haut et genre quoi? C'est tout? Ouais, non, mais je suis bien d'accord avec toi, frérot, mais Ah, mais y a vraiment, y a zéro problème. Hein. Mais juste je peux même pas le loquer en plus. Oh! Et du con, sac à puce! Ouh! Mais c'est improbable. Ouais, bah vous savez quoi Nick, voilà. Voilà, Nick et Ronick. Ouais, on se tient au jus, hein. On se tient au jus. Allez, salut, hein. Putain, tu peux pas monter, tu peux sûrement descendre. Ah bah, probablement, mais j'ai pas la méthode, là, hein. Là, clairement. S'il a pas envie, hein. Alors, par contre, il se pourrait que... Là, de ce côté, il se passe des dingueries. Alors attends, donne-moi mon cheval. Il se pourrait qu'il se passe des trucs de ce côté-là. Ah non, c'est mon invocation qui a pris fin. Alors attends. Hein ? C'est censé y avoir un arbre au monde mineur, là ? Un bousier. Ah, vu. Ah, c'est des bousiers de potions. Ouais, mais j'aurais préféré des bousiers de potions bleues. Ou alors un site de grâce. De grâce, un site, please. Ah, mais il est là, l'arbre. Idiot. Je l'ai pas vu. Pas dans la bonne direction. Terrible. Un site de graisse, oui. Ouais, tu peux lui tirer dessus avec un arc. Bah, j'ai qu'une arbalète, donc je suis pas sûr que ce soit très efficient. Alors les bousiers de potions, je vais les laisser tranquilles parce que je me rappelle bien de ce qui me tombe sur le fiac au pied de ces arbres. Dernière fois on avait rigolé, mais c'est pas dit qu'on passe toujours un aussi bon moment. Flora Mundis. Ça me rappelle l'autre blaireau dans Kaamelott là, qui passe son temps à faire des citations en latin, alors que lui-même il débite absolument rien à la langue. Ouais, mais on était venu ici. Mais genre l'arbre monde mineur. D'accord. Je crois me rappeler de celui-là. Arbre monde mineur, mais oui, mais je suis d'accord avec toi, mais bro. Tu me redonnes pas de potion. Bah non. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait tout autour du cou là, des machins, là, d'accord. Ok. Salut Sarizawa, à une prochaine. Un site de grâce comme taré, soit. D'accord. Bravo. Et bisous, Bigo, hein. À la revoyure, hein. N'hésite pas, hein. Si on jure. Mais oui.
Donc tous les arbres au monde mineurs ne proposent pas forcément un combat de boss quoi. Sauf si on considère que Gros Nounours là-bas c'est un boss quoi. Je crois qu'en bas, là, ça c'est le puits qui mène vers la Siofra. Il me semble qu'il y a un site de grâce. Ah mais il y en a pas un autre là qui est plus simple d'accès là. Alors si je vais un peu plus au nord là, il y a pas un site de grâce là parce que... J'aimerais bien me le manger Gros Nounours là mais à un moment donné... Je le sens pas trop, il va certainement me rect en deux frames. Donc si on pouvait trouver un petit site de grâce là dans le coin, de grâce un site please. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il y a des ours partout, j'ai envie de crever. D'accord, c'est juste un candélabre fantomatique. Let's go. C'est de grâce là? De grâce un site? Non? Il y a un ours droit devant moi. Pas du tout. Oh c'est... Oh le... Gros crabe. Un bien gros crabe. Pataclop, 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 pataclop. Ok, donc on n'est jamais venu ici, non mais loin d'un souvenir. Après on peut te dire où aller pour apprendre à faire descendre. À faire descendre le loup si tu veux. Non, non, mais je vais découvrir, en fait pas. On va y aller au talent, comme d'habitude. Comme d'habitude. Attends, je crois que j'ai vu. Let's go. Troisième église de Marika. On est un petit peu en train de les faire dans l'ordre inverse. Hein. Fiole de salut miraculeux. D'accord. Vous pouvez trouver des larmes de cristal au pied des arbres mondes mineurs dans tout l'entre-terre. Vous avez la possibilité de mélanger deux larmes de cristal dans la fiole de salut miraculeux auprès d'un site de grâce. Ça vous permettra de créer des élixirs aux effets divers et variés. Ah ! Ah bah d'accord ! Et on a gagné la larme de cristal pourpre. Et la fameuse fiole de salut miraculeux. D'accord ! Donc c'est là qu'on va pouvoir mixer un petit peu tout le bazar que j'ai obtenu là. Voilà la fameuse statue de mélange. J'ai eu la larme pourpre. Dans une fiole, restaure la moitié des PV totals. Ah oui, c'est pas mal non plus ça. Tu te fais une petite restauration de PV totaux là, à moitié, au cas où. Ça fait une petite fiole de secours. Ouais, c'est pas mal ça. Et ça marche comment le bazar là? Statut de mélange. Ah, faut en mettre deux. Aux trois des effets divers. Eh ben, c'est tout, c'est gagné. Tu te mets ça, plus la régène progressive. C'est bon, c'est gagné quoi. Cet endroit là. Cet endroit, c'est là que j'ai commencé à XP au début du jeu. Ah d'accord, ok. Donc ça non, ça se discute. Ça non, ça se discute fort aussi, en vrai. Ça se discute très fort. Ok. Et donc là, peut-être la petite goutte de pisse. La petite goutte de pisse. Parfait, et ben voilà. Donc là-bas, il y a des gros michemuches là. Oh putain, il y a encore un arbre monde, il y a un truc là, il y a encore un truc dans la flotte. Il y a une mine. D'ailleurs, des mines, attends. Si. De mémoire, je sais que des mines, il y en a que j'ai pas faites. Alors attends, on va enlever ça. Ça c'est bon. Il y avait des mines que j'ai pas faites. La bonne nuit Cocteau, des bisous, à bientôt. Je crois qu'il y en a que je n'ai pas faites, mais alors où sont-elles? Je me rappelle plus. Bon, je sais qu'il y en a une là-haut déjà, on va la pointer. Voilà, soyons précis. Paf. Par contre, là, c'est tout cramé, là. Ah, c'est tout cramé, pas beau, là. Ok. Allez, descends de là, descends du cheval. Tac, touchez la grâce. Alors... Est-ce qu'on peut monter de niveau du coup? Est-ce qu'on a gagné assez de runes pour le faire? Monter de niveau? Non, mais j'ai peut-être ce qu'il faut sur moi pour le coup là. Pour combler les 3000 à la louche qui manquent là, j'ai peut-être ce qu'il faut. Inventez-le. Ah, peut-être pas. 600. Ah, si, peut-être, tout juste.
peut-être tout juste. Ah, 1600, ouais, c'est bon, ça va être... Oh putain, mais quel idiot. Ça va être au poil de fiac, mais normalement, c'est good. Ouais, normalement, ça le fait. C'est bon. Allez, reposer. Se reposer. Monter de niveau... Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, encore une fois, il nous manque plus que 3 points de force de foin pour aller récupérer... Ah, j'augmente mes dégâts de feu. Intéressant. 3 points de foi et on pourra voir ce que donne cette fameuse faux ailée qu'on a récupérée là. Ok, et donc... Ah, mélange de salut miraculeux, c'est donc là que ça se passe. À l'aide de ce menu, vous avez la possibilité de mélanger 2 larmes de cristal dans la fiole de salut miraculeux. Ça vous permettra de créer des élixirs aux effets divers et variés. Bah, j'avoue qu'il y a un mélange qui a juste pas l'air mal en fait, c'est... tu restaures la moitié de tes HP, into restauration progressive pendant une certaine durée. Le combo est pas débile. Après, j'avoue que restaurer la moitié des HP tout en réduisant considérablement les dégâts qu'on prend, c'est pas moche non plus, quoi. C'est pas moche, c'est pas moche. Bah du coup, je serais plus partisan de faire ça avec ça. Et donc du coup... non. Comment ça marche déjà? Équipement... Ah, elle est équipée par défaut, donc là, je l'ai là, en fait, à la ceinture. D'accord. Et donc du coup, est-ce que je peux consulter son statut? Équipement. Ah oui, ok. Ok, ok. Donc c'est bon, c'est dedans. Et ça combotte quoi. Ça fonctionne. Très bien. Et ben c'est royal. Et ben parfait, ben YouTube. Et ben ne serait-il pas là le moment de vous laisser? Oh je crois que si, hein. Si, c'est le bon moment. On vous fait des gros bisous. À bientôt. Au revoir.